Good morning, Aleiden. Les titres aujourd'hui, l'Eloi Nishmat, Amram Yonah ben Chana, Peggy bat Esther, Kuka bat Frit, Na, Zara bat Mazal Tov Shishportish, Rachel Rachel bat Sara. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perekret, Mishnah Gimel. Ganav Mishal Aviv, Ve'achal Birshut Aviv, Mishal Achirim, Ve'achal Birshut Achirim, Mishal Achirim, Ve'achal Birshut Aviv, Eino Na'asa ben Sorer Umore, Al Sheignov Michel Aviv, Veochal Birshut Achirim. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Rabbi Yehuda Omer, Al Sheignov Michel Aviv, ou Michel Imo. On continue à expliciter les conditions requises pour condamner le Ben Sorer au Moré à mort, à la lapidation. Ben Sorer au Moré, c'est un enfant rebelle qui vole de l'argent pour aller s'acheter de la viande et boire du vin. Et puisque se conduit de manière immorale, alors la Torah a vu que cette personne-là n'allait qu'aller en s'empirant, son cas n'allait que s'empirer, son immoralité, jusqu'au point où il va certainement devenir un brigand, tuer des gens, et de ce fait, la Torah a dit, tue-le tant qu'il est encore tôt. De ce fait, je pose d'abord un axiome qu'on a déjà découvert dans la Mishnah précédente et qui va revenir, qui va générer toute cette Mishnah en réalité. De ce fait, il n'est condamné à mort, c'est-à-dire, il n'est pas condamné à mort parce qu'il vole de l'argent et qu'il achète pour manger de la viande et boire du vin. Bien sûr, c'est l'action sur laquelle on l'attrape, mais cette action n'est pas intrinsèquement une action problématique, mais plutôt, elle est signe révélateur d'une catastrophe qui va se produire avec lui. De ce fait, la Torah ne va le condamner à mort uniquement si on peut certainement assurer qu'il va aller qu'en s'empirant. Aujourd'hui, il a fait ça. Certainement, demain, il va faire pire. Et après-demain, pire. Et après-demain, pire. Si on ne peut pas assurer que demain, sa situation va s'aggraver, ouais, concrètement, par exemple, comme ça va être le cas de notre Mishnah, pour des raisons concrètes, il ne pourra plus facilement voler de l'argent et aller manger. Il aura quelques petites complexités, quelques petites embûches sur la route. Ça ne sera pas facilement réalisable. De ce fait, on ne va plus le condamner à mort. On va le condamner à mort uniquement si c'est avec la même facilité et fréquence qu'il pourra recommencer demain. On va dire, s'il l'a fait aujourd'hui, c'est sûr qu'il va le faire demain. Il va le faire demain, il va le faire après-demain, et toujours en s'empirant. D'accord? De ce fait, la Mishnah nous enseigne, selon ce principe. Ganav Michel Aviv, Ve'achal Birshut Aviv. S'il a volé l'argent de son père, et qu'après qu'il est parti acheter sa viande et son vin, et qu'il les a fait griller, il est venu les manger dans la propriété de son père. Ou encore, Michel Achirim, Ve'achal Birshut Achirim. Il est parti voler chez les autres, et qu'il est ensuite parti manger chez les autres. Ou encore, Michel Achirim, Ve'achal Birshut Aviv. Ou encore, il est parti voler chez les voisins, et une fois qu'il a eu l'argent, il est parti s'acheter sa viande et son vin, et qu'après, il est venu dans sa maison se les manger. Et non, ça, ben sorer ou moré. Il ne sera pas encore considéré comme le Ben Sorer Omoré, comme le fils rebelle, étant donné qu'on ne voit pas ici la pente forcée vers l'abîme, comme on va expliquer dans quelques secondes. Achignov Michel Aviv, Veyochal Birshut Achim, jusqu'à ce qu'il vole l'argent de chez son père et qu'il aille manger ailleurs. Soit, comme on l'a introduit, notre problème avec cet enfant rebelle, c'est qu'aujourd'hui, il a fait quelque chose d'immoral et que certainement, demain, il va recommencer. Avec, logiquement, un peu plus grave. Et certainement, après-demain, et certainement, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va aller en s'empirant. De ce fait, il faut d'une part qu'il puisse trouver facilement de l'argent à voler. En l'occurrence, la bonne adresse, le portefeuille de papa. D'accord ? Il vole de l'argent de ses parents. Donc, il la vole aujourd'hui, il continue à vivre chez ses parents. Demain, c'est sûr qu'il va les revoler. Il va refouiner, il va retrouver de l'argent. Tandis que s'il s'introduit chez le voisin pour aller voler, ça ne veut pas dire que demain, il va réussir à s'introduire chez ce voisin, ni même chez un autre voisin. Il a peur, il risque de se faire attraper, c'est plus compliqué. De ce fait, on ne peut pas assurer qu'il va s'habituer à aller voler tous les jours pour aller s'acheter sa viande et son vin. Ou encore, il doit voler chez ses parents. Mais il ne peut pas ensuite manger chez ses parents. Pourquoi? Parce que s'il mange, tant qu'il va manger chez ses parents, tant qu'il va rester chez ses parents, il craint que son père va lui tomber dessus et qu'il va ensuite lui serrer la ceinture. De ce fait, il ne soit condamnable du Ben Sorer Omoré
que s'il vole de chez ses parents et qu'il s'enfuit vite pour manger ça dehors. Alors là, de ce fait, on va dire, ah, celui-là, c'est sûr que s'il a réussi à voler chez son père et ensuite à se barrer et aller manger sa viande dehors, aujourd'hui il l'a fait, demain il le refera certainement, et après-demain, et après-demain, et après-demain, jusqu'à que sa violence empirant. Tandis que s'il vole de chez quelqu'un d'autre, donc c'était le cas de la Mishnah du début, ou bien si encore il vole de chez son père mais qu'il mange chez son père en cachette dans une chambre, aujourd'hui il a réussi à s'enfermer à clé dans la chambre, ça ne veut pas dire que demain il va réussir à s'enfermer dans la clé, à clé dans la chambre, de nouveau, d'accord? Selon ce principe, donc, il sera, on ne pourra pas certifier qu'il est sur la mauvaise pente, forcément, dans laquelle il va s'habituer à dégringoler, et de ce fait, on lui appliquera pas encore le statut du le din du ben sorer omoré, de l'enfant rebelle. Rabbi Yossi Omer, bah Rabbi Yoda Omer, le Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yoda, dit Achignov, Michel Aviv ou Michel Imo. Lui, il a une condition spéciale, c'est qu'il vole de son père et de sa mère. Soit, je ne sais pas d'où il l'apprend, je ne me souviens pas que je l'ai vu. C'est ça, il ne rapporte pas la source. Je pense que la source, je ne sais plus si je l'ai lu ou pas, la source de la nécessité de voler de son père et de sa mère, c'est que les deux, la Torah insiste, on apprendra dans la prochaine Mishnah, la Torah insiste que les deux parents viennent et se plaignent de lui. Et qu'il ne nous écoute pas, il ne fait que de nous obéir et de nous faire des entourloupes par derrière. Et de ce fait, de quoi la mère elle se plaint si l'argent il appartient au père? Selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, à mon avis, hein, c'est moi qui interprète de cette manière, je ne l'ai pas vu écrit. Mais en tout cas, si la mère se plaint, c'est que la mère aussi dit qu'il a volé même de son porte-monnaie à elle. Et donc qu'elle a de l'argent qui lui appartient à elle. Problème technique, comment une femme mariée peut-elle avoir de l'argent qui n'appartient pas à son mari? Tout argent de la femme appartient forcément à son mari, soit parce qu'il est concrètement à lui, soit parce qu'il est mis à sa disposition pour qu'il l'utilise jusqu'à qu'il divorce éventuellement sa femme. Alors sur ça, la solution elle est que quelqu'un a fait un cadeau à la femme en lui précisant que cet argent t'appartient à toi et pas à ton mari, d'accord? Là, la fin n'est pas établie comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. On fait à présent le Barthé Noir. Ganav Michel Aviv ve'achal birshut Aviv. Il a volé du porte-monnaie de son père, et ensuite il est revenu manger dans la propriété de son père. Bien que s'il vole de chez son père, c'est shriachle, il va pouvoir fréquemment revenir voler. C'est facile de trouver l'argent de ses parents. Ouais. Malgré tout, puisqu'il mange encore dans la propriété de son père, mitpached ou mitbaet, mais aviv, shemayir enu, velo memshir. Malgré tout, il mange, il est parti s'enfermer dans la chambre. Ouais, comme les petits adolescents qui fument leur première cigarette au balcon pendant que les parents ils dorment. Il marche sur la pointe des pieds en ayant peur de se faire attraper. La même chose, il est en train de manger sa viande et son vin. Malgré tout, il a peur que son père ne va plus comme ouvrir la porte et lui sauter dessus. De ce fait, puisqu'il a la crainte, il a encore une petite crainte, tant bien que mal, de son père, alors on ne craint pas qu'il va récidiver. D'accord? Par contre, et idem encore. Ganav Michel Achrim. Non, j'ai une petite question technique. J'ai pas approfondi, je suis plus dans la Gemara, dans ça, j'étudie une autre Gemara en ce moment. J'ai une question technique. Qu'est-ce qui se passe si toutefois il a ce point-là effronté qu'il leur mange devant leur tête? Et le père, lui-même, lui met une claque et continue à manger. Alors, je sais pas, est-ce qu'on pourra dire que cette fois-ci, il n'y a plus d'espoir pour lui de nouveau? Je sais pas. Ensuite, Ganav Michel Achrim, s'il a volé de chez des autres, de chez du voisin. Alors le problème, il est quoi cette fois-ci? Cette fois-ci, il n'y aura plus la même proximité, la même facilité pour aller voler demain de nouveau. J'ai réussi aujourd'hui à m'introduire chez le voisin pour lui chipper là-bas sans shekel. Ça ne veut pas dire que demain, je vais réussir à trouver un autre voisin chez qui je vais rentrer. Je vais peut-être avoir peur, donc je ne vais pas le faire. De ce fait, je ne vais pas m'habituer à mal me conduire. Donc je ne serai plus condamné à mort, parce que ce n'est pas évident. Mais l'homme amchir, c'est pas sûr que je vais continuer à dégringoler. Hachignov Michel Aviv, jusqu'à donc, la fin de la Mishnah, de la première partie de la Mishnah, concluait la condition, donc jusqu'à qu'il vole chez son père et qu'il mange dans la propriété de quelqu'un d'autre. Donc, quel est l'avantage? Hachignov Michel Aviv, deshriach l'alignov becholet, comme ça c'est très fréquent de trouver de l'argent à voler constamment, et ensuite veyochal birchudachirim, et qu'il aille ensuite manger chez les autres, sheno mitbaet sham me aviv, et qu'il n'a plus peur de son père qui lui tombe dessus. Dans une situation pareille, il est sûr que ce Ben Solomon, cet enfant rebelle, va continuer à dégringoler. Ensuite,
Alors ça, c'est l'histoire avec Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui disait qu'il doit voler de son père et de sa mère. Michel Ibo, comment sa mère peut-elle avoir ce problème du Barthénois? Comment sa mère peut-elle avoir de l'argent à, de l'argent qui est à elle, tout ce qu'elle a à sa portion au père? Minchasim chez Yeshla, chez elle, la vivre et chute ben. Ça veut dire quoi qu'il vole de sa mère? Des biens qui lui appartiennent à elle et que son père n'a aucun droit sur eux. Kegon, comme par exemple, chez Natana Acher Nechasim ben Matana, quelqu'un d'autre, une tierce personne, lui a donné des biens en cadeau à la mère. On le présente, je te le donne à toi, à condition que ton mari n'ait aucun droit. Dans ce cas-là, on peut faire un cadeau à une femme et que la femme, elle sera elle-même la propriétaire, c'est elle qui possédera cet argent-là, et pas son mari. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, alors, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le ben selon Moré aura la possibilité d'aller voler de chez son père et de chez sa mère, et il sera condamné à la mort que dans cette situation. Ben al-Khaq Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, donc pas de nécessité de voler de sa mère non plus, mais uniquement de chez son père, et d'aller manger à l'extérieur de la maison. Dans ce cas-là, il sera ben selon Moré. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.